Moun wana met. Après midi, là, je viens parler avec nous. Sous dossier ouvre frontière demain matin. Moi, j'ai une information pour nous. Dans le moment où on a parlé là, il y a n'importe 3 camions Idmo qui ont quitté Port-au-Prince. Alors qu'ils ont préparé pour quitter Port-au-Prince, à soi la même. Pour rentrer en Amet, pour être capable de mettre une barricade complet, pour être capable de pas arriver devant la barrière. Pas nous, sous frontière en Amet là. Qui s'est passé? Luis Abinadel a annoncé hier que la pauvre frontière. Demain, si Dieu veut. Avec demain 11 l'an, 6 heures du matin. Et puis, c'est dit clairement. En pile homme d'affaires haïtien, avec un pile monde dans le pays d'Haïti, déjà paré pour que vous venez acheter en Dominicani. Mais ça m'étendait. Mais comment complot a monté sous deux moun wanamet avec moun belader? Moi, j'ai une information clé. Sous complot ça. Idmo y a vini avec un pile gaz lacrymogène. M'a dit moun wana met commencer acheter coca, acheter citron, acheter de l'eau et puis chercher un maillot pour nous marrer batonner nous pour parce que nous prenons la bataille. Et nous mettre préparer nous tout parce que monsieur est prêt pour toute bagaille. Sous commando cap sorti Port-au-Prince. Cap atterri wana met assurer la même. Si nous cap prendre toute disposition. Pour nous bloquer depuis la route, prenez disposition. Parce que son complot, que oligarque dans Pétionville, monte, yon bay Luis Abinadel garanti, et que frontière là, tout la de frontière pour vous, demain matin si Dieu veut. M'a dit, moun belader, c'est même peuple plan. Oligarque dans Pétionville, secteur privé, gang criminel assassin, qui besoin continue à rentrer zam dans le pays. Parce que besoin zam nan, campé pendant 2-3 jours. Nan yon bay Luis Abinadel garanti, et qu'il a pris toute disposition avec un corps, l'armée solide, pour venir bombarder la population avec gaz, pour être capable d'ouvrir tous les frontières. Ça veut dire qui ça? Dans Belader, nèg dans Port-au-Prince paré pour quitter Port-au-Prince, pour rentrer Belader. Pour venir monter, un escadron sécurité enragé pour les Dominicains. Ouvrir frontières par eux, une quantité de camions qui ont quitté. Ou quantité de camions marchandises pour y sentir empoisonné qui a quitté la Dominicanie, qui a quitté la Spinia, yon déjà sous frontière là. Pour traverser Haïti. M'a dit moun plateau central. Moun, tande bien tout moun plateau central mobilisé, cherche gazoline nous, cherche allumette nous mettez prêt, parce que nous pral gagner, opération Bouakale nous pral lancer, sous un paquet de camions qui a rentré avec produits empoisonnés dans Port-au-Prince. Depuis le plateau central, parce que qui s'est passé? Nèg yo vini, pour yon vin chèche yon quantité camion pour oligarque dans Pétionville. Yon vin escorter camion marchandise yon. Depuis sous frontière là pour yon rentrer Port-au-Prince ensemble avec yon. Tande bien oui. Pendant que ou même, ou se moun nan nord, ou se moun plateau central, ou pas capable de rentrer Port-au-Prince. Pour rentrer Port-au-Prince, faut yon quantité blende la police qui a payé $50 américains pour yon passer au bon, pour passer au Canaran. Eh bien, ou gagne yon quantité policier qui disponible. Kap vin chercher marchandise fatra pourri empoisonné pour secteur privé dans le pays d'Haïti, juste dans Belader. Kap soti Elias Pinal, République Dominicaine. Mes amis, attendez. C'est même bagay la effectivement qui pral fait dans le département de ce pays. Gon kagezon Idmo qui pral montre un cordon, pas qu'on est, un cordon sécurité devant frontière Wana Metlan, kap facilite yon quantité camion marchandise soti d'Abong qui déjà d'Abong. Ou quantité conteneur, et puis après escorter conteneur sa yo pour entrer dans le grand nord pays ya. Pour qui ça? Marchandises empoisonnées qui a pour prendre l'entrée sous territoire. Et c'est oligarque dans Pétionville avec pouvoir Ariel là qui ba Luis Abinadel garantie, qui ba garantie et que pas gagne rien cap passer parce que yo paré pour faire face carré avec population. M'a demandé chaque monde cap tande m'cap gade m là partager mission ça pour nous. Li fragile. Li compliqué et gen danger. Woodline Pierre, semaine qui s'est passée, moi t'ai déjà commencé ba information ça. Parce que par rapport avec bataille que Woodline a mené, moi connais tempérament criminel dans le pays d'Haïti. Moi t'ai dit il nécessaire pour que Woodline gagne environ 10 agents BSAP
qui accompagne tout côté qu'elle a fait dans le département de l'ESPIA. L'éclair, Widlin, n'a pas organisé nous-mêmes pour que nous supportions agent Bessapio pour que nous accompagnions. Déjà, nous déjà commencé à accompagner M. Bessapio. Dans l'activité de travail, nous avons moyen, motocyclette, nous avons renforcé depuis devant, mais nous avons construit logement pour eux maintenant. Le travail a commencé à partir de semaine qui va venir. M'a demandé directeur Gamel, Samson, pour que lui détache 10 agents BESAP lourdement armés avec Mme Woodline pour nous. Tant pour souplir. Rendre pays en service ça, rendre nation en service ça, rendre diaspora haïtienne dans service ça. Woodline, c'est une grande femme que nous gagnons dans le département qui campait dans le niveau ça, qui pas peur prendre risque ça. Et depuis, en 2022, l'appel, nous songeons, 29 novembre 2022. Widlin Pierre campé devant barrière le commando sorti Port-au-Prince vient ouvrir barrière dans la met. Widlin crie tant petit bébé. Widlin crie tant petit bébé et ça qui fait mal. Parce qu'elle dit, il n'est pas possible pour Dominicain y a manqué un dégât comme ça et puis pour ne pas ouvrir frontière pour yo sans que yo pas chita négocier ensemble avec nous. Ça te fait Widlin mal. Mais malheureusement, c'était nèg Port-au-Prince qui te prend décision, hein, peuple a pas de co activer. Mais fois ça, c'est sous cadavre moun Wanamet que Ariel Henry a passé avec oligarque dans Port-au-Prince. C'est sous cadavre moun Belade que Ariel Henry a passé avec moun Port-au-Prince. Alors comme si avec oligarque yo. Avec moun Belade pardon. C'est sous cadavre moun Belade que nèg dans Port-au-Prince a passé pour traverser avec conteneur empoisonné ça yo. Parce que me dit nèg lui Sabinadel dit. Nèg on rencontre avec la presse en Dominicaine hier. La facilité médicament pour petit bébé rentre en Haïti. Tendez bien oui, médicament pour petit bébé. Et déjà, en Dominicaine, il y a tout petit bébé haïtien dans l'hôpital. Il y a 6 petits bébés haïtiens qui fêtent dans l'hôpital, dans le sud de Wombosh, dans Santo Domingo. Il y a 6 petits bébés à tout dans le cimetière avec ZAM. 6 petits bébés, 6 petits moun, 6 petits innocents qui fait qu'on est la terre, qui fait respirer dans l'air monde ça. Il y a pris yo, sous cabane de l'hôpital, al fizier petit bébé yo devant l'hôpital dans le pays de République Dominicaine. Et c'est un bagage extrêmement dur, petit bébé. Et c'est grave. Yo, je n'ai pas cartouche sur yo. Ça, est-ce que ça a carité impuni? Dans le monde, dans le temps qu'on a vivre là. Niveau raciste, ça pouvait là. Yo, petit bébé, parce que le petit haïtien, nous prenons, nous faisons crime ça sous lui. Niveau raciste, ça pouvait là. Peuple haïtien, levez tête, nous nommons. Pour nous dire fois ça, Abraham 17 assis. Et m'a dit, nous, pour nous suspendre, gagner des menaces à yo. Sous tête, nous comme peuple, c'est Ariel pour nous retirer pas n'importe qui moyen. Automatiquement, nous retirer Ariel dans notre pays, nous avons une solution totale avec la Dominicaine. Parce que, moun nous prenons le métier, c'est moun qui a campé. Cap dit la Dominicaine, halte là. Pas jamais fait ça encore. Haïti, c'est un état sérieux. Son pays tête chargée. Nous gagnons l'histoire. Son grand peuple que nous y est. Pas jamais fait de respect dans ça. Nous avons prêt. Nous avons facilité pour nous faire Luis Abinadel pour Amel. Et le ça, nous t'as mis des bons diplomates, nous t'as rappelé tout diplomate corrompu, vicieux, voleur, nous foutons la code. Parce que m'a dit nous ça, il y a environ 3 ou bien 4, mais il y a 4, soi-disant consulats haïtiens, en République Dominicaine. Faut que nous connaissions nos photos pour nous foutre ça en bas code dans le pays d'Haïti et puis là, nous foutons au bois calé. Parce que nous t'as passé, nous ne sommes pas assistés haïtiens, rien du tout en Dominicaine. Il y a tué haïtiens, il y a tué femmes enceintes, il y a fait toute qualité de crime, nous avons arrêté au croisé braillot, il y a pris plaisir au val et tafia, et puis touché comme taxe nous comme peuple. Ça plus que grave. Bah, là pour une dimension extraordinaire. Et effectivement, complot pour que nous avons attaqué paysans dans le département nord-est là, l'île de Port-au-Prince, déjà, et M. Idmo qui était préparé, avec un pile gaz lacrymogène, gros âme fin de foi, ok? Il a venu avec n'importe 3 camions dans nord-est pays, il a venu avec n'importe 3 camions dans le plateau central pour que il vienne escorter une quantité de conteneurs, marchandises empoisonnées qui chargent des médicaments qui prennent tout le petit bébé dans le pays d'Haïti, qui ne vient de prendre sous frontière pour rentrer dans Port-au-Prince. Mais qui sac sécurité, mais qui sac la police dans le pays d'Haïti? L'homme de dire nous baguer la police, nous pas ces blagues. L'homme de dire nous sommes encore gang qui là. Depuis là nous chef de gang dans monté comme chef la police là. Nous pensons de gagner la police. Nous gons encore gang, nous gons encore kidnapper. Parce qu'il a dit nous ça. Parmi gang cap opéré dans le pays d'Haïti, parmi gang cap kidnapper dans le pays d'Haïti, la police nationale d'Haïti sont encore gang cap kidnapper. Prends engagement.
parmi quoi gang cap kidnappé cap faut quitter pays ya qui faut pas rentrer dans pays ya qui fait qu'on pas espoir dans pays ya ou pas revenir dans pays ya la police nationale d'Haïti c'est un accord gang ça yo ou pas demander mettre au fond moi policier oui n'a retirer policier oui mais c'est le nous changer leadership police là c'est le nous retirer chef de gang dans primature là c'est le ça nous pas passer la police nationale là nous pas retirer bon grenier nous pas retirer bon grenier et ça nous pas préparer nous tout pour mettre mauvais grenier côté machine pas frapper yo nous avons la police qui gangsterise tout policier en vie riche tout d'un coup dans les 3 4 monde dans la rue pour kidnapper al planer la cavité l'homme c'est gang total c'est assassinat c'est crime contre l'humanité et c'est ça yo pour nous combattre dans société ya tout temps pas bataille contre ça yo puis ta capitrice c'est une situation qui compliquée mais espérer que chaque grand haïtien à travers le monde prend engagement yo et prend responsabilité yo bataille pas facile mais son responsabilité qu'il y est c'est vraiment un engagement qu'il y est que chaque grand dans nous mette pied dans patte là pour que nous les pays sortent dans ça que le trouvel là m'a dit mon nous la mettre veillez en haut veillez en bas gien de konze nan wana met qui travaille dans douane haïtien mais qui travaille avec la République dominicaine de agent douanier qui travaille pour la République dominicaine de agent douanier qui travaille pour la République dominicaine m'a demandé tout haïtien depuis après-midi là commencer venir avec cadenas nous venir avec une chaîne chaque haïtien venir avec cadenas venir avec chaîne venir avec delco venir avec basoudi sous des barrières et sous des ponts en même temps et m'a demandé nous mirail là en bloc là vin avec monter ceinture là donne monter mirail là devant frontière là li obligatoire m'a demandé tout haïtien en attendant nous résoudre tout problème en nous sous des barrières et puis monter un mirail quitter un espace au petit couloir seulement côté pour haïtien cap sortant dominicain yo capable passer avec un mallette seulement haïtien cap sortant dominicain yo capable qui tout petit porte pour yo pour qu'à traverser avec un mallette aussi simple que ça après ça monter mirail sous des barrières en attendant tout problème résoudre jusqu'à nouvel ordre et n'a demandé moun belader fait même bagaille là me connaît que nous sommes peuple qui vrayan gonne moun plateau central pa vle bandi rentre dans le département gon quantité zam que n'a besoin rentrer dans pays a mais justement depuis ou quitter yo traverser nan belader pa bon menti plateau central après pourri avec zam parce que pa blier gen en pile et autorité dans gouvernement et m'capable dire Luis Abinader là qui dans trafic zam OK qui dans trafic drogue tout qui dans drogue naturellement au contraire gon autorité dans la police dominicaine là que gen gros soupçon sous domicile là comme nèg yo kembe dans dossier drogue ça veut dire que ça drogue ça au côté passé yo passe en Haïti yo sorti la Colombie yo tombe en Haïti et bien nèg yo trafic drogue yo traverser al jeune dominicain lui-même li bay l'argent li bay zam et puis drogue ça pral traverser jusqu'à ce que elle tombe dans l'autre marché. Et Dominique yo tout gen passé la caillou sont déjà tout vienne tout Haïti parce que Haïti c'est vraiment un cafou capable distribuer drogue plusieurs côtés dans région et ben ça fait m'a dit. Laurent Luis Abinader profiter de question Haïti a pour faire comprendre que Haïti représente une menace pour région effectivement et parole lien passé, les jeunes support avec discours là. Parce que ça qui passé par rapport avec groupe gang que ko gen dans tête pays a gon facilité pour que eh bien, la Colombie envahit le pays avec drogue. Et surtout, c'est oligarque corrompu qui a fait la loi. Pas oublier, son groupe colombien qui est rentré dans le pays a vient assassiner le président. Côté de passé en Dominicani. Qui cartel drogue? Qui cartel narcotrafiquant qui lié de Haïti avec la Dominicani qui va faciliter pour entrer des Colombiens dans le territoire dominicain? Yo fait scale, yo fait temps en Dominicani, yo mange au bon plaisir. Après ça, un avion privé qui prend rentrer en Haïti avec eux. Et puis, rentrer en Haïti, yo vient assassiner le président. Réfléchis sur ça. Qui gros narcotrafiquant, qui gros trafiquant de drogue, qui sous iléa, qui quantité, dit la drogue qui sous iléa, qui facilite le trafic sa yo. Et m'dit le li important. Qui gros narcotrafiquant? Qui gros narcotrafiquant? Et m'a dit non. Dans le plateau central, gen ou nan pi gros dit la drogue que pays a te ka konnen. Son haïtien que lié. Li représente. Yon nan pi gros dealer drogue que la Dominicanité connaît et qui nan prison dans pays États-Unis, kote m'a pas la voilà. Li nan pays États-Unis, li nan prison, m'gen pou m'bay raison qui cause t'arrêter là. C'est monsieur qui te représente nexa multimillionnaire en Haïti. M'ba di l'autre côté dans plateau central. Si moun plateau central veut qui reste, qui est. Bagay la compliqué. Et monsieur pa ta fait sou ça, jodi a n'ap tourner sou ça. M'ap di nou que bataille pas facile. Bataille pas facile, mais sauf que, avec volonté, moi qui dégage la caille nous, et prier, n'a continuellement prier bon Dieu dans le ciel là.
pour ban force avec courage pour mettre lumière sur route nous pour qu'il capable mener combat monsieur qui en a privé pour la victoire et défaite nous sur route là nous ouais victoire devant nous ça fait nous pas camper et Luis Abinadel continue faire forcing mais c'est des faux pas qui oyé monsieur pas kakembe monsieur pas kakembe et m'bral ba nous déclaration de journaliste média dominicain et de politicien dominicain parce que tension continue à monter parce que j'aime dire nous émission qu'on a fait dans dernier temps nous plus à chercher qu'on est ça qui dit dans média dominicain pour nous faire pour nous permettre de comprendre qui j'ai l'opinion comprendre bagaille qui ça cap dit dans média comment politicien dominicain ouais Luis Abinadel nous pral et donc comprendre ça dans cadre émission ça et c'est en pile causé que nous pral parler ensemble avec vous déjà m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui côté qui l'a attendez nous et vous regardez nous encore une fois son plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme panouan qui sur plateforme YouTube info bientôt m'a pas de nous partager commenter like abonner si pourquoi abonner parce que c'est extrêmement important pour que nous abonner avec plateforme ça qui c'est plateforme YouTube info bientôt abonner partager commenter like abonner parce que le abonner avec plateforme ça facilite plus haïtien qu'on effectivement ça qui a passé dans le pays d'Haïti et effectivement permettre de comprendre la réalité qu'il y a là comme situation en avance Woodlin Pierre gagne menace sous l'eau il répétait hier dans une émission avec Teriel Delus Guy Dominique qui dans média t'as bien oui j'ai un journaliste dominicain sur les ondes. Yo dit comme ça que gagner des hommes d'affaires qui dans secteur privé haïtien qui déjà contacté yo. Même je tournant Wanamet, gagner des hommes d'affaires qui contacté yo qui dit yo que yo gagne deux moun depuis yo exécuté moun sa yo dossier canal là a campé. Tendez bien pays a. Gagner des oligarques dans Port-au-Prince qui relè autorité dominicain yo qui dit yo comme ça que depuis yo met grain dans derrière yo, yo éliminé deux moun. Nan wana met parmi de moun sa yo, Woodlin Pierre se youn la dal. Woodlin Pierre se youn la dal. Et m'sûr, pasteur la se lot la. Parce que yo di gen deux moun, se poumon de ce canal sa. Si nous éliminer deux moun sa yo, canal la kampe. Woodlin gen menace sou dol. Et c'est Woodlin qui dit la bouche il tande dans média dominicain. M'ap di Woodlin, pas gen de vie. Yo combat et ton combat, mais fok nous la pour une bataille. Nous encourager Monsieur Bessapio, pour nous gagner 10 agents Bessap qui détachés avec Woodlin. 10 agents Bessap lourdement armés. C'est nous qui disons, nous assumons. Parce que nous n'avons pas de prince, depuis que nous avons tout, nous pas bon menti, il a fait tout ça qui nous connaît pour tout. Nous pouvons permettre tout le temps de Woodlin Pierre qui t'a expliqué ça. C'est grave contre lui. C'est vraiment grave. Woodlin gen menace sous dol. Woodlin gen menace sous dol. Il faut que tu fais très attention. Dans le moment, il faut que tu mettes pilate et pirate. Monsieur Bessapio prend engagement non. Si nous te gen l'armée, aïe aïe aïe. Si nous te gen l'armée, monsieur. Nous avons fait un bel combat. Nous prenons le temps de Woodlin Pierre
dans déclaration qu'il fait côté qu'il a subi de menaces. Et c'est grave. C'est grave. C'est extrêmement grave. Nous pouvons attendre. Woodlin Pierre qui a pu recevoir menace. Bon côté, autorité dominicaine. Et puis bon côté, oligarque qui soit disant les hommes d'affaires dans le pays d'Haïti. Nèg qui touye Jovenel Moïse, ils ont besoin de touye Woodlin Pierre, peuple haïtien. Entendez Woodlin. Partagez mission pour nous. Parce que je dis là, c'est maman petite Marie-Vente. Lâchez coucou lié. Ce soit nous vivre tant que monde, ou bien Dominique pas jamais savoir nous encore. En outre de Woodlin qui dit que la police voit des gros menaces, bon côté autorité des bon côté des États. Entendez, Woodlin Pierre. Menace, oui, moi je vois menace, et puis, moi je vois menace sous côté à la même, mon Caprelin. Deuxièmement, il y a tellement qu'on est eux-mêmes. C'est ça l'espagnol, yo comprennent. Qu'elle yo comprennent, l'air à parler, nous-mêmes, nous pas comprennent. Parce que m'pas qu'à comprendre, pour nous, nos programmes télévisés, ou à dire, si yo l'idée économique haïtienne après Léo chaque jour, commerce traditionnel après Léo chaque jour, canal là, dans le campé, il y a deux mouns, depuis yo éliminé au canal là, tout campé. Attendez bien, oui? M'bral reprendre ni pour nous, m'bral quitte nous tande tout, permettre pour ça. Élite économique, Port-au-Prince là, relé, autorité dominicaine, qui dit, li dit comme ça que, canal la pral campé. Élite traditionnelle, en Haïti, a relé yo, li dit que canal la pral campé, mais gen deux moun depuis yo éliminé yo, canal la ap campé. Ça veut dire qui ça? Nèg dans le secteur privé dans le pays d'Haïti, m'te dit nous ça très bien. Depuis yo, ouais, intérêt, yo enjeu qui intérêt, ça qui pral empoisonner nous. Parce que la vie nous pas dit rien pour yo. Parce que me dit nous, Libanais haïtiens yo, Libanais dans le pays d'Haïti yo, yo c'est des monde qui là pour tout haïtien seulement. Yo là pour tout haïtien. Automatiquement haïtien garder dans yeux et ben mon chop mouri. Et m'a dit peuple haïtien, on nous prépare nous là avant d'aller tout Woodlin pour nous qui fout tout tout parce que qui ça passé? Si nous qui t'en pas de tout nous comme ça, et que nous suspend monde. Nous pas qu'un groupe de monde a planifié assassinat chaque jour. Et pour moi, on a planifié des rencontres personnelles pour planifier, pour parler ensemble avec elle, qui dialogue avec comment on a planifié ce scénario. C'est ça que moi, je suis dans le coup, commissaire Miskade. Miskade dit, ou pas qu'on a planifié assassinat, et pour moi, on a chargé de dialogue. C'est arrivé sur lui tout d'abord. Je parle de tout haïtien dans le Port-au-Prince. Tout haïtien dans le département Nord, dans le Grand Nord. Veillez qui est délégation qui a sorti du Port-au-Prince pour venir ouvrir frontière là et puis préparer bois calé sauvage là pour yo. Parce que c'est yo qui décide pour yo tout le paquet haïtien qui campait pour le Canada. Entendez Woodlin Pierre. Kabe explication dans l'émission Teriel Delis là. Entendez. Oui, moi je vois menace et puis moi je vois menace sous côté à la même. Mon Caprelin. Deuxièmement, il y a tellement qu'on est eux-mêmes. C'est ça l'espagnol, ils comprennent. Ils comprennent l'air à parler, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pour nous, nos programmes télévisés, ou à dire, si vous avez et l'idée économique haïtienne après Léo chaque jour, commerce traditionnel après Léo chaque jour, canal là dans le campé, il y a deux mouns. Depuis yon éliminé yon canal là tout campé. Dans deux mouns, ça yon dit l'architecte à Fogo ça. Fogo ça veut dire yon moun qui dit que mon cap grâce du feu, c'est moi yon relé pour ça. Ça veut dire yon gagne plan pour moi. Moi même tete, nan sa matre là, mou konn nan ki sa matre. Si moun pa rentre nan jandab, mou konnen nan ki sa matre, mou konnen nan patake, en pile intérêt. Et moi même, mou se pa presyon, mou ba di yon bagay baka, yon mi ta toujou, yon mou fè prudence, parce que moi même, mou vle wè nouvel haïtien, mou vle bataille, mou vle wè. Woodlin Pierre, di nou nan, comment ça y est pour l'instant wala met, comment travail yon ap évolué, parce que se yon nan mabdou nan comité gestion canal la. On travaille à pas avancer, n'a pas avancé mieux pour le moment parce que il y a un pile de détails et corrections que n'a porté parce que tout le monde connaît ça c'est à commencer et il demande nous pour nous agir, nous devons nous agir vite, oui faut agir vite et faut agir bien tout. C'est dans la logique ça nous est n'a pas avancé à travailler par exemple nous filmons ces barrages. Nous devions rivière là pour nous commencer le travail. Dans
canal là, n'importe canal là, n'a continué travail et puis voilà. Ce qui est important là, c'est que Oudin Pierre sous menace. Oudin Pierre a une grosse menace sous dol. Côté que Luis Abinadel avec équipe lui, c'est vrai. Parce qu'il dit que eh bien, médias dominicains ont tellement connaît que eux-mêmes, c'est seul espagnol là seulement ont parlé, ils comprennent. Ils pensent nous-mêmes comme haïtiens, nous pas chercher comprendre ça comme dit nous. Nous mettre prétend, nous mettre prétend pour entendre info bientôt. Parce que ça qui passé, monton équipe là finalement nous une équipe là. On travaille ensemble là sous dossier la République dominicaine. Intervention tout politicien dominicain dans les médias dominicains. Et n'a vinn tra n'a vinn bon déclaration tout ça au dio en créole pour nous permettre de comprendre la réalité ya. Et ça cause nous même grand pile information que m'a ba nous là, c'est des bagages fiables qui oyé. Et bien qui s'est passé? Les gars dans les médias, yo fait qu'on est que et bien normalement gagner des hommes d'affaires haïtiens qui dans secteur privé ya. Qui relève qui fait qu'on est que canal la pral camper. Mais pour canal la camper, il y a deux mouns qui sont obligés d'éliminer. Parmi deux mouns, ça y est, Oudin Pierre c'est un là-dedans. Mes amis, je voulais tout le monde faire vidéo, ça arrive exactement côté pour arriver pour nous. Tant pis, s'il parce que je ne vais pas une situation compliquée, de fait, bataille n'a pas qu'à camper. Situation compliquée, mais de bataille n'a pas qu'à camper. Est-ce que nous avons quitté une colonne criminelle, une colonne assassin, sauti Port-au-Prince, vient exécuter Oudin Pierre? Est-ce que nous avons quitté un petit groupe konze dans Wanamet exécuter Oudin Pierre? Ça veut dire qui ça? Un groupe nèg qui n'a pas au prince qui prêt pour faire n'importe bagay pour que effectivement yo capable jouer un intérêt ou du moins continuer faire haïtien manger poison, manger pour médicaments empoisonné, acheter comme si vomir l'argent sans respect. Et je dis à nous dit fuck haïtien gen respect devant Dominique. Nous pas mande moun pour remen nou. Pa fò le moun remen nou. Et c'est avec frère nous qui pour remen nou, ti boubout nous qui pour remen nou. Mais pas Dominique Québec fait qui pour remen nou. Dominique pas, pa, franchement, il pas moun qui gen cœur. Il pas origine. On qui pas, on qui pas patrioyé. Il pas moun qui kon côté au sorti. OK, son bouteille au joine, OK? Un bouteille au joine, sin de gelamé. Faut que ça fait là le compte pas de travailler c'est pas ça. Nous pas de foutre prendre. Vous comprenez? Le compte de prendre pas ça. Les gars pas de jeune encore non. Nous t'es occupé espace ça encore. Nous t'es prendre net oui. Parce que nous pas gain la main. C'est de gain la main papa. Mais vous faire les fous. Depuis la mission de déployer les militaires là, sont dans tout nous. Quand nous pas arrivé juste Punta Cana. Parce que nous Punta Cana mon cher. Là Punta Cana tout sous contrôle nous là. Nous t'es campé, nous t'as discuté ensemble avec toute autorité, tout entrepreneur américain qui a investi dans zone Punta Cana. Nous t'as dit au bout de ça effectivement c'est bout de nous lié. Et Dominique va t'appeler Jean-Claude Bec, encore de bouver bouchou. Nous fouillons bout la boue dans bouchou. Vous comprenez ça, M. Dulin? Parce que c'est son nation qui dérespecte. Et nous devons tracer son exemple. Et voilà, Luis Abinadel qui a fait fréquence ça. Comme M. n'est pas président dans la dernière élection qui est venu là, M. pas qu'à président. M. pas qu'à président Dominicani. M. perd du plim. M. perd du plim. Voilà. Et nous voyons le temps de dernière déclaration Woodline. Et c'est un pile causé, Woodline parler. OK? En outre de Woodline Pierre. Qui fait déclaration Pimambouk, côté qu'il parle avec Luis Abinadel, avec toute équipe liant, qui pensait qu'il y avait une passée haïtien dans bêtise. Woodline Pierre. C'est un souffle qui baille nous tous. Je ne vais pas parler de seulement Wanamet. Frontière en sapit doit être fermée. Frontière Wanamet a fermé. Frontière Belade a fermé. Frontière Malpass a fermé. Pour nous connaître si nous avons l'argent dans nos mains, il n'y a pas encore. L'argent n'est pas gâté. L'argent qui est dans nos mains, nous avons acheté. Tout côté avec ces produits qui. C'est acheteur qui manque, ce n'est pas produit qui manque dans la région côté nous y a là. Je dis Abinadel, ça comprend de haïtien. Alors comment c'est parce qu'il y a toujours une prétention, il y a qu'à anticiper le comportement haïtien, nous faire, nous ne pouvons jamais connaître qui ça qui est haïtien. Si nous comprenons bien madame qui vient là, il vient porter une contribution. Et puis là, il remet une contribution, il dit qu'il n'a pas porté plus, oui, c'est parce que les marchandises sont fermées en République dominicaine. Il dit que les marchandises sont fermées et puis on va porter comme sur le canal. Il dit non, le canal n'a pas gagné pour les marchandises. Si c'est pour le canal là campé.
Si ce canal là pour camper, pour rejoindre marchandise, moi, mito canal là arrêté fermé. Et sans pile en pile histoire me raconter nous dans sens ça que pour prouver nous conscience haïtien prend. Portaille apprêté fermé, nous pas dans couloir humanitaire, nous pas mandé manger, nous pas dit nous grand groupe, moi je m'entendais moi même qu'a vivre sous frontière. La mamie anti qui sortir. Est-ce que c'est nous même vraiment qui te mettez nous dans condition ça qui fait pas parler big mot. Yo prend nous état, yo prend nous là. Yo comment faire sous-estimer nous à un point tel que penser nous pas penser. Peut-être que Dominique est comme mieux parler, c'est un seul langue. Nous comprenons, nous parlons parce que nous ne pas comprendre, ou bien nous-mêmes, même le, c'est pas seulement ça parler que nous devons répéter, ou bien nous-mêmes, nous pas qu'à faire aucune analyse même pour nous connaître vraiment comment la situation est. Parce que nous avons des porte-paroles, moi, je lis porte-parole qui dit frontière à ouvrir le 13. Le 11, oui, il est supposé ouvrir le 13. On est trop pressé parce que je suis pourri, je suis senti la bouvée le 11. Je me dis, qui font ça pour ouvrir, qui ne peut pas attendre nous. Parce que j'ai oublié de dire ça, il y a deux portes dans la frontière. Il y a une porte paroi, il y a une porte panoua. Porte panoua, pas pour ouvrir, pour nous recevoir, choukouri, pour nous recevoir. Et puis, je parle même pas de porte, je parle de couloir, un corridor commercial. Comme quoi, le corridor sera ouvert pour nous, tout ça, on a jeté, que a perdu, ça, on a jeté, il faut ouvrir un couloir. Humanité, tu écoutes quoi, ici, que tu as prié, qui dit que vous. Moi, si quelqu'un a prié dans tout ça, moi, sous réseau, dans un journal télévisé, c'est Dominique qui a prié, qui a fait manifestation. Nous-mêmes, tête pour fixer, nous qui avons un seul objectif, voilà, qui pas nous, c'est retirer, construire canal ça, continuer construire canal toujours, et puis pour nous retirer pays, nous en dépendance, nous gagnons par rapport à la République Dominicaine. Parce que nous dit, nous ne pouvons pas exporter ni fer, ni produits électroniques, ni ciment en Haïti. Mais bien, c'est la seule République Dominicaine qui fait bagaille ça. C'est seul là nous qui avons ciment. C'est seul là nous qui avons fait. On t'a parlé et nous connaissons déjà, monsieur chambre de commerce, discutez déjà. Gagnez l'autre partenaire que nous avons joué dans la région, qui a traité nous bien avec l'argent, parce que nous connaissons l'argent, mettre nous qui a l'argent dans le lancer roi. Mais Dominique, dans l'imaginaire, il a toujours pensé aux supérieurs haïtiens, il y a une bonne façon pour traiter haïtiens parce que nous ne pouvons pas finir le monde. C'est yo qui l'a comme monde, même si la mentalité est coloniale, c'est ce qui est dans les Dominicains. Parce que yo comprennent que nous, pas qu'à penser, c'est yo qui l'a fait. Parce qu'on pile produit, yo qui a raison. Parce qu'on pile produit, n'a pas en République Dominicaine. La République Dominicaine n'a pas produit. C'est importer, l'importer, et puis nous-mêmes, nous prenons. Puis cher, non, mais ça veut dire en Haïti, il faut que nous commencions. Pendant que nous pouvons gagner l'État qui a fait bon crédit, eh bien, il faut que nous commençons à unir nous, il faut que nous commençons à être entrepreneurs, il faut que nous commençons à faire notre confiance pour nous importer des produits en grande quantité pour nous prendre bateau, faire bateau ciment, pour nous suspendre avec la République Dominicaine qui estime que c'est Yok Kafel, nous pas Kafel. Yo dit qu'on peut mécaniser l'agriculture pour les Haïtiens, pour moins Haïtiens, parce qu'on connaît. Yo va dire qu'on dépend de nous vraiment, non? Mais yo di yo pral mécaniser pour yo contrôler les frontières là alors pour qu'il y ait moins de monde qui entre illégal. Mais comme quoi moun sa yo pas besoin yo pour le moment yo pas besoin yo tant que yo pas jamais faut sentir que yo yo besoin qu'on utile à quelque chose. Et bien là yo mécaniser agriculture la kali yo nous mêmes haïtien parce que c'est pas avec nous on a mettre connait c'est tout haïtien après un déclaration ça mon yo fait c'est tout haïtien qui supposé insulter c'est tout haïtien qui pour orgueil de pousser nous pour nous dire nous doit construire pays nous yo dit yo visa été suspendu été suspendu indéfiniment yo pas bail visa encore c'est comme quoi c'est cadeau te qu'on fait cadeau visa bon pour frontière l'ouvrir ça c'est une condition nous gagner raquette pour yo mettre dans consulat yo les consul yo nous pas accepter encore en Haïti parce que leur vini yo dit on visa vendre $225 yo même yo voyer raquette nous même nous gagner raquette pas nous ici moi même rester à quelques mètres du consulat dominicain à Wanamet
l'heure de fin vient dans la zone. Chaque fin mois, toujours un pile de monde là, monde qui vient chercher visa, monde qui vient faire demande. Ça pas existé encore. Parce que yo entre la nuit, yo prend tes passeports dans igloo, dans boîte igloo. Yo ramasse ma gogo, yo mette raquette dans la rue. Qui peut aller chercher passeport? Le raquette vient nous visa pour 600, 700, 800 dollars. Yo tout c'est 400 dollars consul l'a touché. La consul a touché 400 dollars. Et puis, on dit nous, dernier trois mois, dernier trimestre qui se passe à là, ils ont vendu 27 000 visas. 27 000 visas à 400 dollars américains, ils payent 10 800 000 dollars. Peuple haïtien, frère Maxamio, imaginez le projet. Parce que le ONG vient en Haïti, ils ont un projet de 10 millions de dollars. C'est un méga projet. C'est un gros, gros projet. Alors, mais comme ça, nous avons un homme pour nous reconstruire le pays. Nous. On nous suspend quoi, c'est nous pas qu'à vivre sans Dominicain, c'est Dominicain plus pas qu'à vivre sans nous. Parce que yo connaît, yo pas qu'à kembe, mais yo connaît tout. Yo maintenant tête yo, parce que moi-même me dépense longtemps. Magistrat Dominicain, mais d'ailleurs, vous n'avez pas dit, dans le mois de décembre, là, nous te fermé frontière là. Il dit c'est chantage d'affaire, mais vous connaissez son petit grand, vous nouillez, frontière pas une semaine. Nous te voulons kembe, vraiment, c'est pour Wiggin Pierre. C'est Haïti, c'est pas de permettre nous. L'important pour que nous entendions Madame Wedlin Pierre. Très bien. Très bien. Mon seconde, peuple haïtien. Après aller continuer tendre. Wedlin Pierre. En seconde, on va boucler avec Foucault 69 n'a pas tourné. Section 9 n'a pas tourné avec Foucault Tax Section 9. Alors n'a pas tourné avec Wedlin Pierre qui t'a banné explication sous dossier et son paquet de bagages parce que qui s'est passé est extrêmement important. Il y a me fait calcul là et me voulait pays attendez ça. Me fait calcul là et tout à l'heure encore m'étais parlé sous ça dans émission qui était sorti à midi hein. Et côté que m'étais dit nous clairement imaginez-nous 30 000 Haïtiens qui achetaient visa dans 3 mois seulement. T'achètes 30 000 visas dans mes Dominicains. 30 000 visas à 700 dollars américains. Mes amis, nous avons imaginé quand c'était comme ça fait. 30 000 visas dominicains à 700 dollars américains. Moi-même, dis-nous ça. Moi, songez 16 décembre 2022. M'achetons visa dominicain pour 700 dollars américains. OK? On nous fait 30 000 encore parce qu'il est important. 30 000. OK, n'a dit c'est 30 000 meni 30 000 chiffre ça on a multiplié par 700 dollars américains. Multiplié par 700. Meni multiplié par 700. D'accord? Mes chiffres que bail. Meni. Ça on regarde devant c'est 21. D'ailleurs, c'est 6-0. Ça veut dire, là, 21, un chiffre devant, ou bien deux chiffres devant, et pour 6-0 derrière, pas que l'autre bagaille. C'est million, je veux dire, automatique. Ça veut dire 21 millions de dollars américains. Que Dominique fait dans 3 mois, dans 20 visa avec Haïti. 21 millions de dollars américains. Ou imaginez-vous, 30 000 Haïtiens à 21 millions de dollars. 30 000 Haïtiens. 30 000 Haïtiens t'as organisé, dit tête, admettez tête nous ensemble. Nous 30 000 là, nous gagnons 21 millions de dollars américains. Nous avons investi dans telle région dans le pays. Est-ce que les Haïtiens n'ont pas fait tête ensemble ça? Nous pas acheter visa? Ok, mais quand tu es Haïtien, on nous lance un bagage comme ça pour nous monter côté, pour nous monter force nous. 30 000 Haïtiens, 21 millions de dollars américains dans 3 mois. Et puis, ils ont du pays pauvre. Ils ont du peuple qui est pauvre, qui est dans grand goût, qui est dans souffrance, qui n'a pas manger. 21 millions de dollars américains. Est-ce que vous avez dit? Pour engagement, non. N'a pas tourné sur ça tout à l'heure.
Et voilà, nous gagnons un compatriote haïtien que nous allons recevoir là depuis dans Montréal, Canada, que pour nous faire un petit ensemble avec lui. Et voilà, il est extrêmement important pour nous. Nous allons faire un petit parler ensemble avec lui. C'est conséquent qui depuis dans Montréal, Canada, et non seulement Libral Bano et il est parlé de construction canal là, et en plus de ça, il y a des activités effectivement que yo même qui son groupe haïtien qui représente, alors capable dire, alors cap travail pour cap travail pour Haïti dans communauté haïtienne dans la diaspora, surtout dans pays Canada, et ben effectivement nous va le font parler ensemble avec lui pour dire nous quelle activité qui a préparé là pour pays là, parce que yo même qui d'ailleurs monsieur que voit yo important pile pour garder comment travailler dans ce pays dans ça qu'il trouve là. On nous recevoir lui famille pam, comment nous est nous content pour ensemble avec sur plateforme YouTube info beto. Eh bien, merci bientôt. Mon cher, nous en forme, bon, nous t'es capi en forme que ça, mais on connaît. Et pays, nous a pas fait on travaille, donc, nous pas capable d'aller mieux. Donc, j'en ouais, pays a souffri, c'est qu'on s'en bat, c'est nous tous qui dans la diaspora, nous a souffri. C'est dans ce sens-là, et nous-mêmes, cap vivre dans la diaspora, plus précisément dans le Canada, et, faut nous mettre en tête nous que nous pas capable de faire silence et nous pas décider de faire silence pendant que pays Haïti a traversé situation ça yo nous tout nous connaît pas besoin de finir pour nous connaît que ça très bien pays nous pas besoin de finir permettre moi en nous font une présentation parce qu'il est important pour que grand public là connaît effectivement qui est ce qu'a parlé avec yo qui parce que dans Canada monsieur que depuis tu de voir il y a connaît qui est mais pour toute plateforme YouTube Fubeto Capando et toute l'autre plateforme qui va le poster ça va ça que nous va le partager avec vous là fait connaît qui est ce que alors qui faut une présentation pour nous s'il vous plaît. OK, donc non pas moi c'est Bertie Antoine. Donc mais moi pas parler dans non pas personnellement pour activité ça nous pas annoncer là yo. Très bien. Et moi c'est représentant ou bien moi c'est membre coordonnateur ou bien coordonnateur aidé dans Canada. C'est un membre coordonnateur. Oui, politique aidé Canada. Très bien. Oui. Voilà, oui. Et nous content pour ensemble avec aujourd'hui hein, et public là monsieur que yo connais non mais moi connais non tout moi content pour que me gagne mais naturellement avant que nous rentrer dans toute l'autre point que nous pour aborder dans l'émission hein, tout d'abord cette question ça li d'actualité et faut monsieur que l'a intéressé où et parce que n'a pas du problème pays d'Haïti activité pour le faire les conseils de pays d'Haïti mais naturellement nous gagne dossier Haïti avec la République dominicaine moi en tant qu'haïtien qui vit dans la diaspora comment ouais président dominicain Luis Abinadel qui prend décision naturellement de façon unilatérale pour qu'il ferme les frontières li et puis pendant qu'il ferme les frontières là li continue à manquer à ces dégâts et puis dans même moment un groupe messieurs nous capable les oligarques dans pays d'Haïti cap monter complot ensemble avec pour ouvrir frontières comme si n'a de manière unilatérale encore ensemble avec lui en façon pour capable continuer quand on rentre on sait des produits que l'état il c'est pas une pièce contrôle sur yo on sait des produits yo même la caillou automatiquement vous pas rentrer dans le pays d'Haïti avec produit c'est jeté ou jeté c'est tout au fouillé au métal pendant que yo même ta supposé prendre produit pour stocker pour manger nous on pas manger mais yo tout prend yo jeté ou même comment comprendre décision la Dominicanie et situation pays d'Haïti avec la République dominicaine là. Bon moi même moi pas commencer pour moi dire un bagaille et que tout le monde capable observer pour yo ouais contrairement à ça moun qu'on a dit ou gien droit grand bout ça pas veut dire ou pas de dignité, haïtien soit montré. Nous, que gouvernement, bon, nous, j'ouais que premier ministre l'y fait, devant tribunal Nations Unies, côté que lui, ouais, on vent, lui, ouais, on vague cap surfer, lui, bon, dissous, lui, pour le surfer, pour le montrer côté lui, soi-disant, nationaliste, patriotique, mais nous connaissons le gros vent qui l'a pris, parce que lui fait déclaration, ouais, il n'est pas arrivé sous peuple. Entre temps, Mabdinoli, c'est pas seulement peuple haïtien qui a dit ça, moi, le disant, peuple dominicain, tendez le tout. Parce que nous, tous, nous, sur les réseaux, nous tendez comme un journaliste ou bien même habitant de République dominicaine, soit haïtien qui a vivre là-bas, ou bien peuple dominicain, il dit, son seul vis-à-vis, si Haïti te gagne, fréquentité, ça va pas passer, il dit, c'est Claude Joseph. Ok? Il dit, lui, parce que nous, tous, nous tendez le. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que, et c'est normal, le ou gen yon ti moun, par exemple, tant que un chef d'État est capable d'un père de famille, ou wap maltraité, wap dénigré li, ou méprisé li, ou bon comportement manchou bien par rapport à li,
et puis on va pas attendre nos voisins respecter. Mais tout le monde lui-même lui connaît. Lui connaît, c'est pour ça lui-même l'a cherché Wol Grandet, le peuple l'a cherché Wol Grandet pour le débarrasser de gouvernement Ariel Henry qui pas mener aucun côté. Justement. Et situation est compliquée. Comment et alors y ont-ti et idée pas où ou du moins comment ouais dossier construction canal là définitivement parce que non seulement peuple aller même la chercher moyen pour qu'elle est capable gagner et plus capable gérer propre tête li dans domaine non, mais comment ouais dossier construction canal là parce qu'en pile monde Canada justement tellement abat bravo pour peuple haïtien qui n'a pas pour travailler ça comment ou même qui position pas sur dossier construction canal là. Bon, nous-mêmes, dans l'idée, bagay canal, ça, c'est toujours une priorité pour nous depuis très longtemps. Nous entendons de toute intervention. C'est fait d'abord, premier accord qui était signé pour bagay canal, ça, entre deux parties, et puis Dominicaine, bon, c'était sous leadership Dr. Claude Joseph. Effectivement. Donc, nous, tout haïtien au courant de documents. Donc, c'est pas un bagay que nous-mêmes, dans l'idée, nous prenons à la légère. Bon, semaine dernière, là, nous étions avec mon délégation aidée, nous étions voyés encore sous frontière là, sous côté Kishoy pour Mounio. Non seulement n'a supporté canal là au niveau de tout sacré les défenses droits internationaux qui Haïti et priorité sous canal dans la République dominicaine, mais tout n'a physiquement n'a supporté Mounio pour gros travail ça que a fait. Malheureusement, nous pas capable pas parler encore du gouvernement insouciant ça, gouvernement Mafoubé Ariel Henry qui ont paquet matériel que nous allons visiter, nous montrer matériel ça y nous lui avons travaillé à zone sur le canal pour faire un gros travail de titan. Par contre, pays a gagné des matériels qui coûtaient un paquet de comme contribuables qui t'achètent matériel pour être capable d'effacer mémoire, président,